publique, prédication, prière et bénédiction constituent les temps forts de la célébration de la nuit du Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète à Odiéné. Une nuit de spiritualité, de communion et d'expression de son amour au prophète de l'islam, le prophète Mahomet. La population d'Odiéné, ville située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, ont pris l'engagement cette nuit d'être à l'image de cet envoyé d'Allah, un homme de paix et plein de valeurs. Pour le conférencier, l'imam Cissé Abdallah Guiriba, le prophète de l'islam reste le modèle parfait de l'humanité. Ses 63 ans de vie ont été des moments de soumission à son Seigneur et aussi de lutte pour un monde parfait. L'imam central de la mosquée du Plateau a invité les fidèles musulmans à suivre l'éducation des enfants. Car selon lui, les vices constatés au sein de la jeunesse, notamment le manque de respect, la consommation de l'alcool et de la drogue, sont dus à une mauvaise éducation des enfants. Le Maoulid à Odiéné cette année est placé sous le signe de l'unité, de la solidarité et de la fraternité. Prier et cultiver l'amour entre nous, de prier pour le chef de l'État et de prier pour l'ensemble des Ivoiriens, de telle sorte que la Côte d'Ivoire puisse connaître le bonheur. Prendre nos responsabilités pour une meilleure éducation, pour que nous puissions vivre dans une société où il fait bon vivre. Les ambassadeurs du Maroc et de l'Algérie en Côte d'Ivoire étaient aux côtés de leurs frères musulmans d'Odiéné pour vivre ensemble ce moment de spiritualité. Nous sommes très heureux de voir comment ils célèbrent dans la ferveur cette commémoration très cher à tous les musulmans à travers le monde. Pour tous les musulmans, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur appartenance géographique, c'est un moment fort de l'islam. Le préfet de région a saisi l'occasion pour inviter la jeunesse au travail, les cadres, à l'union et à la solidarité pour le développement de la région. La commémoration de la naissance du prophète de l'islam à Odiéné se tient sur plusieurs jours.